tama baye bayo bazali banzene neke ya komona omiso mya bango lolenge mulu mokosalema tembete lutana bino elongo ezala bakabi bayike ndakisa ba panzi sa lolenge na bakete RTN so boka mama Sylvie Elenge kasi biso banso pe to ekokambema na ministre oza ko tala ba panzi sango banso Patrick Muyaya Katebwe azana biso elongo mayele maya mosala moyeza na biloko misala mikati ya martyr ezali bokasi pe mayele maye na tina na Miguel Kassal Katem ye wana tango nyonso kotombola misala ya bilenge okati ya ekolo ya biso Congo démocratique mami il est là Miguel Kastem Kassal, RCP, Nadine Toto, moi, je suis là, je suis à Bolingo, à Tikaraba, journaliste. Miguel Kastem Kassal. Je suis là, 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 de la RDC pour les cinq prochaines années. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Denise Nyakeru Tshisekedi. Patrick Mouyaya Azala, Yacheleka, Maman Denise Nyakeru. Merci Nadine Toto, merci la très distinguée première dame Denise Nyakeru avec pratiquement toute la famille fait son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte et elle reçoit les salutations, les ovations de chefs d'État et des gouvernements. Voilà Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui est en train de saluer la très distinguée première dame Denise Nyakeru. Voilà, et la très distinguée première dame qui salue l'épouse du président de la République du Congo, Denis. Oui, puisque nous parlons de la famille présidentielle, hein, nous venons de voir la distinguée première dame et les enfants, la famille restreinte Tshisekedi qui prend place. Nous voulons signaler aussi notre présence remarquable, c'est celle de Maman Marthe Kassalou. Elle a pris place à cette tribune. Elle a voulu, elle qui a toujours béni son fils et qui est en fait la première conseillère. Hein. Elle est là, elle a pris place à cette tribune. Voilà, elle a accompagné son fils même de la campagne. Et elle veut la féliciter ici. Et donc la distinguée première dame. Qui salue les chefs d'État ici présents dans la tribune. Voilà, Denise Nyakeru. Elle encadre deux autres premières dames, on l'a dit, hein, de Guinée-Bissau et celle de Sao Tomé. Il y a deux premières dames qui sont. J'imagine combien grande est l'émotion que ressent la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, celle qui a accompagné son mari au front. Au front, c'est lors de la campagne électorale, 30 jours de campagne. Elle était toujours en train de fortifier, d'encourager son mari. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est la victoire, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la très distinguée première dame, et aujourd'hui à la tête, à nouveau à la tête de la magistrature suprême du pays, Blaise Bokokia. C'est une dame, c'est énorme. Retour ici au stade des martyrs pour dire que le stade affiche complet et il n'y a plus que finalement une seule place vide. Ça c'est l'Angolais, ça c'est non. João Lourenço. C'est le dernier chef d'État qui va faire son entrée. On le reconnaît, hein. Donc un pont aérien a été jeté entre Luanda et Kinshasa. Vous voyez son escorte qui est venue de Luanda. Il se promène toujours avec
son escorte venue de Luanda. Et donc, il y a eu plusieurs navettes ce matin entre Kinshasa et Luanda. Et là, c'est le président Joël Lourenço, un autre géant de, parmi nos voisins. Et c'est lui qui a toujours été un partenaire de la République démocratique du Congo. Vous, nous allons à présent accueillir Son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola. C'est l'arrivée du Merci d'accueillir Son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola. Qui vient de fouler le sol du stade martyr de la Pentecôte, tapis rouge déroulé en son honneur, João Lourenço, le président angolais. Et nous sommes suivis de partout à travers la République, honorable Patrick Mugnomo, élu de Goma dans la province du Nord Kivu. Nous sommes suivis à Ituri, le gouverneur militaire. Il a déployé des écrans géants à travers la ville de Bunia. Le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. Et là, sur vos petits écrans, c'est le président angolais João Lourenço qui est accueilli ici au stade des martyrs de la Pentecôte. Et il fait partie des chefs d'État qui ont reçu l'invitation pour prendre part à cette brillante, à cette cérémonie mémorable, l'investiture, la prestation. Welcome to another video and don't forget to subscribe. The wife and the first lady of the elected president, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, at the moment she entered the moment she reached the venue, citizens made a lot of noise. They were so happy to see her. They were so happy to welcome the first lady, Denise Nyakeru Tshisekedi. Denise Nyakeru Tshisekedi is the wife to President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo and is the mother of his children. Denise Nyakeru, born 9th March 1967, is the first lady of the Democratic Republic of Congo and the wife of Félix Antoine Tshisekedi. In March 2022, Denise Nyakeru Tshisekedi visited the Congolese National Police in Kinshasa during training with MONUSCO concerning gender mainstreaming in peacekeeping operation. Denise's father, Etienne Nyakeru, was an evolved under Belgian rule. He had a position of responsibility in the administration of what was still the unified province of Kivu. One of his sisters, Jeanette, was a diplomat in London. One of his brothers-in-law is General Dr. Gilbert Kabanda Kuhenga, commander of the Army Health Corps. She was only 9 months old when she lost her father. Her mother had one of her uncles in a car accident in Bukavu due to the premature death of her parents. She was unable to learn Mashi, her mother tongue.